j'adresse ce message à toute la Côte d'Ivoire. Si je pouvais donner un titre, je dirais Côte d'Ivoire, les parents d'élèves sont moutons, poltrons et irresponsables. Premièrement, tu es policier, tu es militaire, tu es gendarme. En dépit de ton travail, tu es aussi parent d'élèves. Ma question à ton égard est la suivante. Pourquoi frappes-tu? Pourquoi agresses-tu ton enfant qui lui est plus conscient que toi et qui se bat pour que l'école s'ouvre à nouveau afin qu'il pense à son avenir? Quand tu rentreras chez toi le soir, policier, quand tu rentreras chez toi le soir, gendarme, quand tu rentreras chez toi le soir, militaire, que tu regarderas toi-même tes enfants qui ne vont pas à l'école, réponds à cette question. Pourquoi tu tortures ton enfant qui lui veut aller à l'école? Pourquoi tu tortures l'enfant qui lui veut aller à l'école pour assurer son avenir? Tu as atteint quel niveau d'inconscience? Tu as atteint quel niveau d'irresponsabilité? Ou bien tu es devenu malhonnête à quel niveau? Pour que dans ton rôle régalien, qui est de protéger la population, tu puisses aller contre des enfants qui, de plus, demandent qu'on ouvre les écoles pour qu'ils y aillent. Parlons au deuxième niveau des autres parents, qu'on dit parents de la société civile. Toi, tu es une maman d'élève. Toi, tu es un papa d'élève. L'école est fermée. Et cela, depuis 2 mois environ. Comme tu es peureux, comme tu es pire qu'une poule mouillée, tu ne dis rien. Ton inconscience a fermé ta bouche. Tu te lèves le matin, tu vois tes enfants qui ne vont pas à l'école. Et tu n'oses rien dire. Ton enfant qui, en la matière, est plus conscient que toi, mieux, qui est plus courageux que toi, se bat pour sauver son année. On le frappe, on le blesse, on le tue même. J'ai honte de voir que tu es caché. J'ai honte d'entendre même ton silence. Et quand le chien est serré, il mange son collier.